Et salut à tous, c'est Zerix, et bienvenue pour ce quatrième épisode sur Dead Space en compagnie de Red Ball. Ne. Salut Red. Excusez-moi. Red! Il y a de la bière gratuite. Tu m'as appelé? Je disais salut Red, ça va? Oui, ça va, oui. Tu m'as parlé d'un truc, pas entendu, c'est quoi? Je disais, il faudra que je t'offre une bière gratuite. Faudrait que tu me... Alors explique-moi le principe d'offrir quelque chose qui est gratuit. Ben, pour toi, elle sera gratuite. Ouais, mais du coup, elle sort pas gratuite, vu que toi tu l'avais payée. Oui, mais moi je la paye, mais pour toi, elle est gratuite. Mais tu m'en dois une de bière! Tu m'en dois Ouais. une! Eh. L'officier de justice, hein, la police a dit vous devez une bière à ce jeune homme. Je tiens à Donc, signaler à tous prends une ceux qui bière. vont mater cette vidéo que la bière, elle est dans mon frigo et qu'elle l'attend depuis 2 semaines. Oh ouais, ça fait longtemps que j'ai fini le pack. Non, il en reste deux. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, je suis pas tout seul. Ah si, là, t'es tout seul, là. Ah non, il y a Dave aussi. Et moi, je vous signale que je ne bois pas d'alcool. Moi non plus. Oh, ça va, tu permets, ouais, je m'en fous qu'elle soit pas chargée. Bah, tu vois, elle est chargée. Bizarre, il a pas fait de remarque. J'ai pas écouté en fait, excuse-moi. J'ai dit moi non plus. Et ça fait encore. Bah, je peux tout faire péter là. Qu'est-ce qu'il t'a Non. fait ce mur? Il était au milieu. Je tiens à signaler qu'il vient de dire un truc, une aberration, qui me sort à chaque fois qu'on en discute, et que oui, non, je n'ai pas relevé pour la simple et bonne raison qu'il sait très bien ce que j'en pense. Mais tu sais que c'est faux. Oui, moi Enfin, je tu sais sais. que c'est... Enfin, tu sais que c'est vrai que c'est faux. Tu sais que c'est faux Ici que c'est vrai. l'officier médecin-chef Nicole Brennan. Est-ce que vous me recevez bien? Il Nous avons s'appelle besoin de Brennan, vous. Isaac? Nous manquons de ressources ici pour traiter ces patients. Non. Personne ne veut nous dire ce qui se passe. Je vois, on sait rien, j'ai pas demandé, tu sais. C'est pas, S'il je plaît, suis pas allé à l'école avec lui, donc je pourrais nous ne pas te le sommes dire. pas équipés pour soigner ces... Bah en même temps, si elle s'appelle Brennan et qu'ils sont mariés, je pense qu'il s'appelle Brennan aussi. Ouais, mais il me semble qu'il s'appelle pas Brennan en fait. Tu veux que je vérifie? Ah ouais, ce serait sympa, ouais. Ah oui, c'est l'avantage de... Aïe! Non, Ah c'est. Non, non, ah pas ah besoin. Pas besoin, il s'appelle Clark. Isaac Clark. Isaac Clark? T'es Ouais, sûr? ouais. Isaac Clark, ça me paraît un peu chelou quand même. Non, il s'appelle Isaac Clark. Oh, bah on va vérifier. Isaac Clark Kent. Presque. Isaac Clark de Dead Space. Hop, Isaac Clark. Alors oui, ça s'appelle bien Isaac Clark. Bon, qu'ils ont, elle a pas pris le même nom et tout. Je suis en train de voir des femmes. Attention, monsieur, tu me cries dans les oreilles. Suis désolé. Je suis désolé pour ça. Il y a eu un truc rampant avec des tentacules. Je vois des fanarts de Dead Space qui sont très très chelous comme un Isaac Clarke torse nu. Meurs, 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 meurs! Torse nu, musculeux et huilé. Ah! Parfait pour Bob ça. Ah mince, j'ai oublié de mettre le compteur. C'est pas grave, ça durera un peu plus longtemps. T'as tué quoi en fait? Ah, ça valait le coup de mettre 25 balles dans sa tronche. Ouais, c'est quoi? D'après toi, rampant, tentacule. Ah, les petites écolières japonaises? Ouais, elle est fanatique. Je sais que tu les aimes. Oh bordel que j'aime pas ça. Mais si, tu les aimes. C'est que dans ta tête. Oula! Ouh, faut que j'aille dormir, moi. On va venir plus tôt aujourd'hui, hein. Tu lui permets de faire ça, ça. Non, non, non. Bah, je vais te laisser stresser tout seul. Non. Pourquoi? Parce que sinon, je vide tes bières gratuites dans l'évier. Bah, vide mes bières gratuites dans l'évier, je suis pas prêt de revenir. Hein. Tu crois vraiment que je vais m'amuser à faire plus La de 100 bandes pour aller prendre. révélation! Mais tu crois vraiment que je vais m'amuser à faire 100 bandes pour deux bières?
3. Et elles sont frais. Ah, du coup, c'est temps. Ouais, non, tu crois vraiment que je vais faire 100 bandes pour de bien alors que je peux faire. Je fais même pas 50. Enfin, même pas 10 mètres et j'en ai. Hein? Non, mais oh. Or qui me prends-tu? C'est de la bière de marque. Même si j'y connais absolument rien en bière. Si, c'est toujours la même. Je sais plus. Je voudrais savoir. Ce qu'il y a dans ton frigo, tu sais pas ce qu'il y a dans ton frigo? Je vous avouerai que non. Monsieur. Monsieur. M'appelle pas monsieur, s'il te plaît. Ah, Burky Burk. Quoi, c'est quand? C'est la semaine dernière. J'ai eu une gamine qui est venue me voir. Elle m'a fait monsieur. Elle m'a dit vous. Ça m'a... choqué. Ça m'a traumatisé. Ah. Non, pour moi, je suis pas un monsieur. Je suis pas encore un adulte, moi. Je veux pas en plus. Je suis bien. Moi, j'en suis un et je trouve que ça craint, ça. T'en es pas un, toi, t'es pire que moi. Bah, je suis un adulte. Donc vis-à-vis de l'État. Vis-à-vis de l'État? Dans ta tête, t'es pas un adulte. Oh non. Sinon, tu serais pas là encore en train de jouer à Dead Space. De l'autre côté, je préfère être un jeune adulte avec un esprit libre qu'un adulte con et vieux qui a un esprit fermé. Oh, c'est sûr. Je dis pas le contraire. Mais bon, voilà, la gamine, elle m'a dit vous, monsieur, il fait ah. Mais pourtant, la gamine était pas spécialement jeune, elle avait quoi? Elle avait 16-17 ans, tu vois. Ça m'a traumatisé pour moi. Je me suis senti bafoué. Je suis vieux. Bah, t'es plus jeune que moi, donc oui. Je suis plus jeune que toi, donc oui. Quoi? Logique de malade. Où ta logique, là? J'ai jamais dit que j'étais logique. Attends, on a quoi? On a 6 ans d'écart, 7 ans d'écart. Même pas, non, 6. Ouais, 6 ans, à peu près. Ouais. Okay. Non, je suis plus jeune que toi, donc non, je dis moi que je suis plus jeune, je suis moins vieux. Je suis pas vieux. Tout ça, au final, c'est dans la tête. Ah oui, c'est dans la tête, je sais pas. Mais ça choque! Ça choque quand tu t'y attends pas. Surtout quand t'as pas l'habitude en fait. Ah ça. Ça va, ça m'a fait tout drôle là. Tu m'étonnes. Surtout qu'elle est toute mimi en plus. T'es toute mignonne. Toute gentille, une petite tête, toute petite, toute naine. J'ai presque envie de faire les caoutounettes, comme on dit chez moi. Petite des... papouille. Des quoi? Caoutounettes, tu sais pas ce que c'est des caoutounettes? Franchement, non. Ah, caoutounettes, tu sais, tu prends par la joue là, au niveau de la. Au niveau des. Au niveau des pommes. D'accord? Ouais. Tu prends au niveau de la joue et tu fais comme les vieilles grand-mères, là, tu secoues la tête quand tu fais ça. Oui, les caoutounettes, oh les caoutounettes! C'est ça, les caoutounettes. Tu prends, tu pèses et tu fais bouger la tête. Comment? Je suis le seul à penser que c'est une sorte de rituel démoniaque. Ta grand-mère, tu l'as jamais fait? Non. T'es grand-mère? Moi, j'ai envie de dire que la mienne non plus, mais bon. Bizarrement, celui qui me faisait ça, c'était un collègue, alors... Attends. Oh... Elle est... morte? Vivante? Les deux en même temps? Oh, tu ferais pas des caoutounettes? Oh, pas mal! Elle a sorti la cime, alors du... Doit-on lui attribuer le prix Mario Contillard? Non, parce que c'était assez rapide et pas trop long. Par contre, le prix What the fuck? Parce que tu sors une cime, mais de nulle part, hein. Je sais pas si t'as remarqué, hein. La scie, elle apparaît carrément dans sa main. Hein. Mais t'es image frame far... Mais image par image, tu verras que la main, elle apparaît. La scie, elle apparaît dans la main. Elle sort pas du corps. Et ouais. Je sais, je vois tout. Non, un prix Marion Cotillard. Un prix Marion Cotillard que. Non, on a eu au début de l'entrée du chapitre 2, ouais. Début de l'entrée du chapitre 2. Oui, la médecin qui nous file la télékinésie. Ah oui. Là, c'est un prix Marion Cotillard. Mais parfait. Ah, il était magnifique celui-là. Bien lourd, bien chiant. Fils de pute de trace, de ta mère.
Gentil. À mort. Gentil. Gentil avec tes voisins. Oui, au bout d'un moment, la peur se transforme en colère chez moi. Hein. C'est un mécanisme de défense et dû à mon peuple. J'aurais dû en connaître. Ton peuple ? Ouais. De quel peuple ? Des mécanos de l'espace, voyons. Oh ! Tout pareil que toi ! Je suis pas fatigué, d'accord. Oui, c'est à ce moment-là où on se met à rire de notre propre connerie. Je suis pas fatigué, je suis en pleine forme. Il me fait pas chier. Et bientôt, on se mettra à chanter. J'ai pas déjà fait ça. Je sais plus quand est-ce que j'ai chanté. Je sais plus si c'est dans les précédents ou dans celui-là. C'est quoi ? Non. C'est quoi ? C'est... Oh, c'est les trucs volants. Oh. Je l'aime pas. Je préfère affronter ça que les trucs qui rampent avec des tentacules. Oui, tu sais que tu peux les appeler des bébés. Non. Si. T'es pas celui que je dois cramer ? Il me semble que si, hein. Cramer ? Congelé, en fait. Parce que celui-là est immortel. Lequel ? Lui. Ah, il meurt pas. Ça fait mal. Courir. Sors la mitraillette. Je t'emmerde. Avoue que tu l'avais, que t'as oublié que tu l'avais. Un peu. Ah, mieux non? Vite fait. Non, c'était pas eu alors que je devais congeler. Non, je l'ai congelé, je crois que c'est les gros, non? Non, non, c'en est un qui ressemble à ça, il me semble. Oh, un point de force, ça fait plaisir, ça. Oh oui. Ils ne sont contre rares. Je crois d'ailleurs que t'en as oublié quelques-uns, depuis. Non, j'en avais ramassé quelques-uns, mais... J'ai... Non, mais je crois, entre-temps. Peut-être que j'en ai dû oublier un ou deux. Ouais, le reste. Bon, c'est pas bien grave après. T'empêcheras pas de finir le jeu. Non. Si t'arrives à la fin. Parce que là, on pourrait bien décider. T'avances pas bien vite quand même. Hein. Je suis au chapitre 2 en 3 épisodes, ça va. 2. Même au premier épisode, j'étais quasiment au chapitre 2, donc ouais, non, ça va. Non, deuxième épisode, t'étais à la fin de ton chapitre 2. À la fin de mon chapitre 2. À la fin de... Oula. Au deuxième épisode, t'étais au chapitre 2. Oui, c'est là, ce que je disais. Fait... Et là, c'est le quatrième épisode et t'as toujours pas fini le chapitre 2. Et il est un peu plus long quand même que le chapitre 1, le chapitre 2. Ça n'empêche pas que t'as toujours pas fini. Tu veux pas dire que tu vas faire un épisode par chapitre. Ça aurait été en facile. J'aurais dit pourquoi pas. Oui, encore, ça aurait fait long. Ouais, mais ils sont beaucoup plus faciles à tuer, et puis voilà quoi, c'est, t'as des munitions quasiment... Tu pètes, t'as un pack de munitions, quoi. T'aimerais bien, hein. Faut te dire ce qui est, quoi, là, je... T'aimerais bien, hein. Tu pètes, t'as des munitions, tu chies, t'as une arme. Ça serait pas mal. Putain, t'as eu beaucoup d'armes dans ta vie, alors. Cool. Toi. Moi. Mais tu t'oublies, mon cher. Moi ? Une fois par jour ? Trois fois par jour, hein. Une fois par jour, moi ? Oui, pour ceux qui regardent cette vidéo, on parle de fabrication d'armes. Ouais. On va dire que c'est ça, la fabrication d'armes. C'est pas comme toi, hein. D'accord ? Ouais. Moi, je suis... Toi, tu vas au moins... 4 à 5 fois par jour. Oh, alors là, à croire que tu manges des figues en secret, tu sais. Ça, des pruneaux. Comme c'est mytho, ça. Les pruneaux, ils les mangent en secret, en fait. Sous le canapé, ils les sortent. À... Surtout, j'aime pas ça, les pruneaux. Bah, tu sais, y'a pas que les pruneaux qui sont laxatifs. L'eau aussi, laxatif, t'apprendras. L'eau est laxatif.
Bah, l'eau de notre région, ouais. Notre région est très laxative. On vient du sud. Il y en a quand même partout, paumé, que d'ailleurs. Ah, ça, je vends. Trancheur, tu l'as déjà utilisé, toi, le trancheur, dans l'espace? Je sais plus quel c'est, trancheur, c'est quoi déjà? C'est l'espèce de gros cutter plasma. Montre-moi. Je l'ai pas. Si, tu l'as, il est en deuxième. Ah, ça. Oh, j'ai déjà utilisé. Jamais. Il est fort, fort, fort pratique. Jamais utilisé, qu'au cutter plasma, quasiment. Bah, m'en parle, j'ai déjà vu utiliser une traite. Oui, non, mais en général, là, je vais l'utiliser à mitraillette. Je crois que je vais même la poncer, la polir et la reluire. Mais habituellement, en Dead Space, quand je joue en normal ou en facile, j'utilise quasiment que c'est tard. Normal ou facile. Ouais, mais là, on est vraiment très... entre le normal et le facile et le difficile, hein. Ouais, mais là, on est dans un cran au-dessus. Dans le difficile. Ouais, un cran au-dessus. Dans le difficile. Il y a plus Marion Cotillard. Il y a plus Marion Cotillard. Pourtant, il y a toujours les insectes qui tombent du corps de son pote. C'est bon, c'est bon. C'est bien, c'est plus Marion Cotillard. C'est peut-être un bon signe, elle a encore envie. Elle était en train de te faire du café. Non, t'as pas compris ce que je voulais dire. Il y a plus Marion Cotillard, il y a plus non plus son pote qui était en train de faire des trucs. Avec les asticots. Bah écoute, hein, j'essaie de te rassurer, mais ils sont morts. Et voilà, épisode 2, soins intensifs, terminé. Bah putain, il était temps. Bah bon. Environ 2 épisodes par chapitre. Vous voulez vous regarder? Et oui, et on dit au revoir maintenant, monsieur. Eh oui, on dit au revoir. T'as fini ton épisode? Voilà. Je vais pouvoir aller me coucher, manger plutôt. Il dit ça, mais il est même pas 6h. Oui, mais moi je me couche tôt. Je suis pire qu'une poule. Et donc voilà, c'était l'épisode 4 où j'ai eu une belle frayeur à un moment donné. On a deux problèmes et très peu de temps pour les résoudre. L'épisode 2, mais épisode 4 de la série. Enfin, épisode 4 du Let's Play. Ta gueule! Putain, quel aime police, lui, hein. Non, mais il veut pas. Ah mais total quoi. C'est un délinquant ça, il faut l'éclater à la naissance. Laisse-le, c'est quoi intéressant là. Zarma. Non mais depuis qu'il a passé sa puberté des tentacules lui. Ah, il en a vu quelques-unes depuis. Puis ça va. Il a vu beaucoup de monstres à tentacules. Et il y en avait pas forcément plusieurs. Oh, je suis désolé, toutes ces blagues navrantes. Je pense qu'on va vous laisser. Hein. On va aller à l'asile le plus proche. Moi, surtout. Ah, tu veux que je t'amène à Sainte-Anne? Non, ça va aller. Non, non, je sais pas. Sainte-Anne. Je vais y aller à pied, je vais errer dans les rues avec. Ça me paraissait bien, Sainte-Anne. C'est pas à côté, mais bon. Et puis, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. En espérant que celle-ci aussi vous a plu. Ciao, tout le monde. Elles n'auront pas de cul. Ciao tout le monde. Elle en rompt pas plus. Mais ta gueule toi.